Bonjour YouTube, on est de retour à Londinium. Et savez-vous que j'y étais lundi? Donc il y a... c'était il y a 3 jours, ouais, au moment où ceci est enregistré. Slash streamé. C'était une grosse expédition pour moi, donc je suis encore un petit peu à plat. 3 nuits quand même que j'ai faites depuis mon retour. Retour en Bretagne, je précise, parce que je suis rentré à la maison que le mardi. Merci à ma frangine et mon beau-frère de m'avoir hébergé puis ramené. C'était très sympa de leur part. Donc, on est toujours à Londinium. Donc, pour la petite histoire, c'était évidemment pour tester WW2K23. La première vidéo sur le jeu est d'ailleurs disponible sur ma chaîne principale. Il y en aura d'autres par la suite. Mais, maintenant, passons à Kaiser 3. Passons à la vieille ville que j'ai visitée brièvement lundi et que j'ai moi-même construite. Et justement, on n'a pas encore fini la construction de Londinium. On a plutôt bien avancé, ça s'est même étonnamment très très bien passé lors du dernier stream. On est à 4000 de population, c'est ça, un peu plus de 4000 effectivement. On a commencé à travailler sur la prospérité, bien sûr, avec les quartiers très riches. On a vu qu'on avait quelques petits problèmes de stabilité. Je pense qu'on peut lancer le jeu maintenant. Mais c'est essentiellement dû au fait qu'on a mal géré les ressources, que j'ai mal géré les ressources. Donc on aura certainement besoin d'un petit peu plus de nourriture par exemple. Donc je serais bien tenté de faire une ou deux fermes supplémentaires pour être tout à fait franc. Je pense qu'on va faire ça dans un premier temps, ouais. À moins que je fasse ça comme ça et que... Voilà, qu'on puisse mettre carrément 2 fermes ici et pas trop loin. Je pense que c'est surtout le blé qui va poser problème. Et la cité manque de main d'œuvre, d'accord. Et on a peut-être trouvé justement la source du problème qui fait qu'on a un problème d'huile, un problème de stock d'huile, de meubles, de vin, de poterie. Effectivement, j'ai l'impression que les marchés ne font pas de ronde si jamais ils n'ont pas de nourriture à distribuer avec ça. Quoique, ça s'explique pas forcément parce que les marchés ont encore pas mal de nourriture à l'heure actuelle. Et on a des maisons qui n'ont plus d'accès. À des meubles, de l'huile ou du vin. Ouais, c'est bizarre ça. Alors peut-être que là, ils demandent pas de vin à ce niveau-là, donc ça c'est normal. J'ai vu aussi qu'il y avait peut-être un petit souci au niveau des fontaines, parce que certaines maisons qui régressent n'ont pas forcément accès à des fontaines. Celle-là, par exemple, n'a plus d'accès aux thermes, ok. Elle ne devrait pas avoir accès à l'eau de la fontaine. Si? Attendez. C'est vrai, ça? Oui, parce que c'est une grande maison, ouais. Bon, après, ça va, les maisons se regroupent toutes seules après derrière. Donc ça a l'air ok. Bon, de temps en temps, peut-être que j'ai besoin de les aider un petit peu, en dégageant les toutes petites maisons. Donc on a vu qu'on avait des petits problèmes de stabilité ici, ce qui n'est pas le cas dans d'autres maisons. On a fait des petits quartiers ici, on a fait un quartier avec des petites maisons ici, ok. Les trois premiers quartiers, en tout cas les trois quartiers les plus importants autres que le quartier riche, eux, se développent très bien. On s'est arrêté juste avant d'avoir besoin de poterie, donc on pourrait leur donner de la poterie techniquement. Ah, poterie plus terme pour les faire évoluer, c'est vrai. Et la poterie, j'ai oublié, c'est nous qui la fabriquons ici, exactement. Donc autrement, tout se passe très bien, la prospérité est gérée, on n'a plus qu'à gérer l'agrandissement de la cité en général. Et on a été plutôt bon au niveau de notre évolution parce qu'on n'a pas trop fait tout d'un coup. Et on a géré les stocks de nourriture, on a toujours eu assez de nourriture pour nourrir la population qu'on avait déjà et la population qu'on a eu en plus par la suite. Voilà qui est fantastique. On produit pas mal de meubles, hein, alors qu'on peut pas en vendre. D'où effectivement l'inactivité de certaines industries. Ben non, on les utilise quand même. On les utilise pour les maisons riches, donc on est obligé de les garder, ces industries-là. Donc c'est pas avec ça qu'on va récupérer un petit peu de main-d'œuvre. Pourquoi j'exporte à partir de 0 unité le bois? Ouais. Oui, parce que les ateliers de meubles font leur propre stock. Donc à ce niveau-là, ça va. On importe le vin, l'huile, parce qu'on n'a pas le choix. Donc ça, c'est bon. Donc est-ce que c'est vraiment un souci de nourriture à chaque fois? Pas forcément, non. C'est pas sûr et certain, on a quand même des petits problèmes d'approvisionnement en différentes ressources dans ces maisons-là, et ça va être un problème qu'il va falloir résoudre assez vite.
Sinon, on va galérer à avoir une bonne prospérité parce que ça va monter, ça va redescendre aussitôt derrière. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Après, peut-être que les marchés distribuent quand même la nourriture, mais aux premières maisons, ils ont plus de stock, ils atteignent pas les dernières maisons. Ce qui expliquerait effectivement pourquoi ce sont les dernières maisons ici qui régressent et pas les premières. Parce que ces deux premières-là, j'ai l'impression que c'est assez stable. Là, ça va revenir, n'est-ce pas? Ouais, ça va revenir, ouais. Donc on en est au Petit Palais, par exemple. Et on manque de diversité en termes de divertissement. Ok. Ils perdent souvent l'accès aux thermes aussi, hein. L'accès aux thermes. Alors le problème, c'est que j'ai plus beaucoup d'espace. Donc c'est un peu embêtant. Disons que... Bizarre. Les thermes sont pourtant opérationnels. Attends, eux, ils ont récupéré l'accès aux thermes. Eux aussi, mais il leur manque du vin. Ok. Bon. Pourtant, il y a deux marchés hein, qui sont censés se compléter. Oh, vraiment? Non mais attendez, on va pas avancer dans ces cas-là. Puits d'argile. Donc maintenant, ce qui m'inquiète surtout, c'est effectivement nourrir ces quartiers-là, qu'on peut faire évoluer assez facilement. On a juste à leur donner des temples. Un seul suffit, comme ici par exemple. Temple plus divertissement, je dirais. Donc on a ces trois quartiers-là qui sont reliés. Alors j'ai une petite inquiétude par rapport à ce grenier-là. En fait, c'est trois greniers-là, parce que... Ah d'accord, là c'est une erreur. Ok. Oui, il faut avoir un maximum de greniers qui vont se remplir, parce que si je l'ai construit celui-ci, c'est que je voulais forcément le remplir. Ah mince, j'ai mis trois cases d'écart entre ces deux-là. Ah, c'est pas ce que je voulais. Bon, tant pis. Ce sera un rectangle. Et pas un rectangle particulier qu'on appelle carré. Car un carré reste un rectangle, hein, quand même. Mais je voulais que ce soit carrément un carré. Les quatre greniers que j'allais mettre là. Parce que je vais en mettre un quatrième, je pense. Alors, lui, c'est va chercher. Lui, c'est va chercher. Lui, c'est va chercher. Du coup, j'ai un petit doute. On n'a pas de musique, tiens. Touk. Si je veux que ces greniers-là se remplissent assez vite, il faut qu'ils aillent chercher la nourriture pas trop loin. Donc il faudrait peut-être que je change l'un de ces greniers en juste accepter, mais... Ils vont se faire vider par les deux greniers qui sont là, c'est juste ça qui me chagrine un peu. Donc c'est un peu compliqué. À moins que je mette ces trois greniers-là en juste accepter. Sauf un peut-être. Bon, on va tester. Parce que pour les marchés, ça change pas grand-chose. Il y a des greniers qui restent assez proches quand même. Mais pour cela, ça veut dire qu'ils peuvent aller chercher la nourriture là. Mais le truc, c'est qu'on ne sait même pas si ces deux greniers-là vont se remplir assez vite pour que les fermes doivent aller là, par exemple. C'est juste ça, le souci. Ouais, j'avoue que je sais pas. Je sais pas comment ça va fonctionner. Parce qu'en plus, ce grenier-là va se servir en priorité dans ces deux greniers-là aussi. Donc ces deux-là vont se remplir assez vite. Donc certaines fermes vont devoir aller jusque-là pour déposer la nourriture. Pas très optimal. Donc en fait, ces deux greniers-là, je pense qu'ils vont rester pleins assez souvent. Ils vont pas très souvent se faire vider. Compliqué, cette histoire. Compliqué. On verra bien. On verra bien. Donc sinon, on manque de main-d'œuvre. Je pense qu'avec ce que j'ai fait, on devrait pas avoir trop de mal à nourrir tous les gens qui sont là. Ils ont quoi, eux? Aucune installation éducative. Aucun lieu de culte. Attends, pourquoi eux, ils ont accès à une... Religion. Ils ont accès à un temple. Tiens, c'est... Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, parce que le prêtre peut aller jusque-là. Ok, c'est pas un souci. Donc ici, on a Vénus. Là, on a pas mal de temples dans ces quartiers-là. On peut peut-être en supprimer quelques-uns.
Est-ce que j'ai un temple en double dans un quartier en particulier? Non. Ici, on a Vénus. Ok, bon, on va... Je pense qu'on va dégager un temple d'ici, un temple de là. Vous avez déjà Vénus. Vu qu'on est près des fermes, on va mettre Cérès, je pense. Et puis Mercure. Donc un temple pour vœux. Près du grenier peut-être. On va le mettre là. Et un temple pour vœux. On va mettre là parce que le bazar, le marché, pardon. C'est dans Pharaon le bazar, justement. Ah oui! Information importante, la date de sortie de Pharaoh A New Era, le remake de Pharaon, a été annoncée. Le 15 février. Donc dans moins de 2 semaines. 13 jours pour être exact. Donc justement, on va essayer peut-être de finir la campagne de Kaiser 3 avant la sortie de Pharaon. Qu'on va faire évidemment au moins en vidéo. En stream, je pense qu'on va le faire parce que ce sont des... C'est quand même des jeux qui sont assez longs à faire. Donc je sais pas encore si je vais faire juste des épisodes en format condensé sur la chaîne principale ou si je vais carrément mettre les streams en entier. Dans tous les cas, Pharaon se retrouvera sur l'une des deux chaînes YouTube. Peut-être la chaîne, peut-être carrément la chaîne principale avec les rediffs de live. Et sinon, il y aura les rediffs sur la chaîne de replay et je ferai peut-être un condensé des épisodes sur la chaîne principale. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça veut dire que si les gens qui n'ont pas trop envie de regarder toutes les VOD en entier pourront peut-être voir un petit peu ce qui se fait juste avec quelques moments marquants. Parce qu'il est vrai qu'on n'est pas non plus tout le temps dans l'action dans ces jeux-là, quoi. Et il leur faut des distractions. Donc, on avait dit quoi? On a plein de quartiers qui sont liés entre eux. On a... On a 3 théâtres dans le secteur. Non, 2 théâtres, 2 amphithéâtres. Un seul amphithéâtre, pardon. On a une école de théâtre ici. Donc on devra quand même refaire... Ouais, quoi qu'il arrive, on devra quand même refaire une école de théâtre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas de nourriture? Ouais, j'y crois pas tellement à ça. Parce que ce marché, il peut se servir là. Est-ce que ça va suffire tout ça? C'est pas sûr. Hein. Parce qu'on est en train d'essayer de les faire évoluer ces maisons-là, mais est-ce que ça va être suffisant? On va mettre une école de théâtre ici. Et je vais carrément mettre des amphithéâtres, je pense. Ici et ici, ce sera joli, je pense. Alors après, je crois que dans les textes d'aide, on nous dit que pour un quartier, on va dire, normal, un amphithéâtre et un théâtre, c'est la norme. Ici, ça a l'air d'aller un peu mieux. Ouais, je vois que le grenier de blé est souvent plein, donc ça, c'est parfait. Ouais, j'ai quand même vu une maison bouger, là. À court d'huile. Donc c'est pas un problème de nourriture, forcément. Problème d'huile, problème d'huile. Alors pourtant, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a des stocks dans les marchés. Les deux, en plus. Donc ça va être un peu compliqué. Les maisons sont peut-être un peu éloignées, j'avoue. On a peut-être des marchés qui vont un petit peu trop... Ah oui, d'accord. Non, non. La route s'arrête là. Donc les marchés se perdent un peu trop, peut-être, par là et par là, je dirais. Ouais, c'est ça le souci, le fait qu'on est... Et en plus, on a les greniers. Ouais, peut-être que les patrouilles des marchés se perdent un petit peu trop dans cette zone un peu sinueuse. Et elles passent pas tout le temps par ces petits palais-là. Maintenant, c'est le vin. Non mais, quand vous avez racheté de l'huile, vous pouvez pas racheter du vin, par exemple. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Aucune installation éducative. Alors, est-ce que
Est-ce qu'une école, ça va suffire pour tout ça, pour tout ce petit monde? J'espère que oui. C'est pas mal ça, on a l'amphithéâtre qui a un effet positif sur l'attrait du secteur, qui est juste en face de l'école, qui a un effet négatif. Niveau nourriture, ça m'a l'air un peu juste. Ça m'a l'air beaucoup trop juste. On va refaire quelques fermes. Comment on va faire ça d'ailleurs? Est-ce que je peux faire des fermes ici? Normalement oui, bien sûr. C'est une question qui a une réponse assez évidente. Évidemment, j'ai oublié l'essentiel. 1, 2, 3, tac. Je pourrais pas en faire de ce côté-là, malheureusement, je crois. Ouais, pas de l'autre côté, malheureusement. On va en faire... 4. Je pense que au niveau du chômage, on a largement ce qu'il faut. Donc on va tout miser sur les fermes. On va même en faire une cinquième. Peut-être faire des maisons ici, du coup. Préfecture pour pas que ces criminels fassent des bêtises. Études d'ingénieur pour pas que les fermes s'effondrent naturellement. Et un petit dispensaire aussi. Ouais, juste à côté. Ça devrait aller. Mais eux, ils ont pas de fontaine, on avait vu ça. Et donc ici, comment je vais faire? Parce qu'on a vu qu'avec quelques croisements, ça pouvait éventuellement passer avec les marchés. Mais là, on est peut-être arrivé à la limite. On a peut-être un petit peu abusé. Évidemment, pour les... Magnifique. 5000 citoyens. On est à la moitié de l'objectif. De population. Ok, donc on a des chances de bien avancer aujourd'hui. Bon, ces deux quartiers-là, normalement, c'est bon. Les greniers se remplissent pas assez vite. Hein. Je pense qu'on va très vite en faire un autre. Un grenier qui va servir un petit peu à tout le monde. Est-ce que je finis la boucle ici? Peut-être pas trop abuser, hein. on va laisser ça comme ça pour l'instant. Va chercher, voilà. Bon, ce grenier va essentiellement servir, je pense, à ces deux quartiers-là. Et lui va se servir essentiellement dans celui-là. Bon, en tout cas, ça fait... Oui, on va faire ça comme ça, je pense qu'on va faire d'autres greniers ici pour que les récoltes soient un petit peu plus faciles. Et je pense qu'on va rester sur du va chercher ici. On a quand même pas mal de population qui s'est installée. On a fait évoluer deux quartiers d'un seul coup. On voit que dans certaines zones on manque un petit peu de nourriture, donc on va quand même surveiller ce qui se passe avant d'en faire trop. N'en faire trop sans en faire assez derrière. Faire trop de maisons sans faire de nourriture derrière. Bon. Ah, ça commence à être un petit peu mieux au niveau des stocks. De meubles, d'huile et de vin. En revanche, j'ai peut-être fait un peu trop de blé ici, j'avoue. Parce que là, on a pas mal de fruits, là on en a pas mal. Attends, ce sont des fruits ou des légumes? Des légumes, c'est un potager, pardon. Là, on a quand même pas beaucoup de fruits, pas beaucoup de viande, mais ça a quand même l'air d'aller. Là, on a très peu de légumes, pardon. Je refais l'erreur derrière. Fantastique. Après, j'ai l'impression qu'ils mangent en priorité le blé, donc est-ce que c'est vraiment très grave? Pas sûr. Pas sûr. Mais on a des stocks. On a des stocks. Donc ça va, c'est ok. Ah, j'ai remis un marché ici. Ah oui, j'en ai mis un troisième. Il est loin, lui, par contre. Pourquoi je l'ai mis là? J'aurais dû le mettre plutôt par là. Ouais, pas convaincu, là, sur ce coup-là. C'est vrai que j'en avais mis 3 en tout. Parce que eux, ils ont plein de trucs. Mais c'est pas dit qu'ils distribuent bien. Surtout qu'ils sont perdus là, quoi. Oh oui, j'avoue. Ouais. Et ils prennent les ressources des autres marchés. S'ils les distribuent pas, ça vaut pas le coup.
Non, ça vaut pas du tout le coup de le laisser là. Et déjà, cette maison-là paraît assez loin, vu tout le bazar qu'il faut pour quitter cette zone-là. Limite, si j'étends juste un tout petit peu... J'ai même pas, peut-être pas besoin d'étendre là, d'ailleurs. On a un petit bout de route là, si je mets un marché là, ce sera déjà mieux que le laisser là, quoi. Donc on va perdre quelques ressources, mais je vais supprimer celui-ci. Voilà. On a peut-être un peu plus de chance que ce marché-là trouve son chemin là-bas. Ouais. Pas sûr. Parce que vu qu'il est, il est pas dans la même... dans la même zone que les deux autres marchés, il a plus de chances de se perdre dans des zones qui m'intéressent pas, genre ici par exemple. Donc je suis pas convaincu par la pertinence de ce choix. Bon, les petits palais, on verra bien. Et on a des petits problèmes de nourriture, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc on est de nouveau dans le va chercher ici. Bon après, ce grenier-là, il peut très bien fournir ce quartier-là, donc ça, c'est pas un souci. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de nourriture, c'est pas dingue, et ici, c'est encore moins dingue. Donc, comment faire? Ah mais du coup, là, c'est trop loin pour aller chercher la nourriture, dans les greniers qui sont là-bas. Il y a plein de fermes qui vont même pas là, d'ailleurs. Bon, les trois fermes qui... Ouais, les fermes qui sont plutôt là, je dirais qu'elles vont là. Ah, vraiment, ça va être pénible, ça. Ça va être la grosse difficulté du jour, je pense. Bien gérer le transport de nourriture, essentiellement. Production, je pense qu'on peut produire assez, ça c'est clair. Ouais, on va avoir des soucis assez rapides. Sinon, on arrive. Sinon, on va faire ça, on va faire juste accepter là. Et toi, va chercher. Ça, oh, ça paraît. Compliqué cette histoire, compliqué. Mais je pense que c'est pas une bonne idée de rapprocher les greniers là. J'aurais dû... Non, je pense que je vais les faire plutôt là. Attendez, on va faire un truc. On va vider le grenier. Et je crois que pendant ce temps-là, il n'accepte plus. Si je dis pas de bêtises. Il accepte encore ? J'ai vu quelqu'un déposer quelque chose. Attends... Attends, ça peut être une idée, ça. Attends, on est à 800. On est à 100. On est à 100. Est-ce que quelqu'un va déposer, là? Ok, on est à 0. Est-ce que quelqu'un va redéposer du blé, ici? Non, il dépose plus, là. C'est fini. Salut Pascal ou du Sewer. Non, ils vont plus. Ils vont plus déposer dans ces greniers-là. Je préfère faire d'autres greniers ici. Au niveau de la main d'œuvre, ils vont trouver ce qu'il faut, parce que là, ça fait quand même pas mal de chemin à faire. Donc tout ça sur accepter. Et du coup, cela, est-ce que je peux faire va chercher? Celui-là, je peux dire va chercher, je pense. Donc celui-là est vide, on peut le supprimer. Chômage, ça va, on n'a pas trop. Et lui, on va le vider tranquillement. Ok.
Ok, nice. Mais ici, c'est compliqué. Ça l'est toujours. Bon, cela dit, les maisons ont bah, pas toutes. Est-ce qu'on a des stocks, au moins? On a des stocks. Mais qui descendent assez vite, je le crains. Non, si, c'est trop compliqué. Bon, au moins, on a rapproché les greniers de ces quartiers-là. C'est déjà ça. Est-ce qu'on a d'autres zones cultivables ailleurs sur la carte? Donc on a ici, effectivement, ça on l'avait vu. Je crois qu'on a qu'une seule grosse zone cultivable, c'est ça le petit truc. Ouais, ici, hein, ouais. Une seule grande zone. Donc toutes nos habitations doivent être situées dans la zone. Ah, on a là aussi. Mais on a des loups. Oh, qu'on peut peut-être dégager, hein. Ça va pas être un souci. Ça va pas du tout être un problème. Parce que des fermes, là, je peux en rajouter plein, mais ça va être le stockage et le transport qui va poser problème. Là déjà on voit que ça pose problème ici. Après la question se pose, est-ce qu'on produit assez de base? Ça a l'air un peu tendu quand même. Parce que sur accepter on a ces 4 là et celui-ci donc ça fait 5. On en a un seul qui est plein pour le moment. Eux c'est du va chercher, ils sont quasiment pleins. Eux c'est du va chercher, ils sont pas du tout pleins. Et en plus, on en a 4, donc en fait, on est censé avoir la majorité de la nourriture ici. Mais vu qu'ils sont plus éloignés des zones de stockage que les deux autres qui sont là... Attends, c'est celui-là et celui-là, je crois. Ces deux-là. Ces deux-là, évidemment, sont pleins, et il n'y a plus grand-chose pour ceux-là. Donc on a le problème de la distance. Faudrait que les greniers qui vont chercher la nourriture soient tous à peu près à la même distance des greniers qui stockent. Et qui ne font que stocker. Pour que tout le monde ait à peu près ce qu'il faut. Et le marché... Marché derrière, je crois. 800, ok. C'est trop peu. C'est beaucoup trop peu, comment on va faire? À moins que je mette un marché plutôt par là, finalement. Plutôt de ce côté-là. Et ici, est-ce que ça s'est arrangé? Non. Cela ne s'est point arrangé. Point arrangé. On n'a pas tant de meubles que ça. On n'a pas tant de légumes que ça. On n'a pas tant de viande que ça. Après, encore une fois, dans les marchés, normalement, ça va à peu près. En fait, tant qu'on n'aura pas résolu le problème de nourriture ici, on ne pourra pas avancer parce que si déjà on galère à amener la nourriture jusqu'ici, si on fait d'autres quartiers par là, on va galérer à l'emmener aussi. Donc, à terme, je pense qu'il y aura un moment où on n'aura pas trop le choix, il va falloir faire évoluer les petits quartiers. Ce sera le plus simple. Parce que déjà, en fait, ces deux quartiers-là, c'est très simple de les nourrir. Et limite, je commence à voir une solution possible. Il faudrait que je réarrange toute la disposition des fermes. En vérité, il faudrait que j'essaie d'isoler un petit peu. Enfin, il faudrait que je fasse une zone de stockage pour ces deux petits quartiers-là et une autre zone de stockage pour ceux-là. En gros, il faut que je sépare la production. Parce que là, on a toutes ces fermes-là qui sont dans une zone de production qui vont fournir une zone de stockage. L'idéal, ce serait que je fasse, genre, que je coupe un peu en deux, que j'ai des fermes ici, des greniers par là pour ces deux quartiers-là, et d'autres fermes ici qui ont accès à d'autres greniers, et pas au premier. Et qui vont fournir ceux-là.
Et à ce moment-là, j'aurais peut-être besoin de moins de greniers ici. Ce serait top. Donc par exemple, ce que je pourrais faire à ce moment-là, c'est supprimer ça. Là, j'ai pas mal de fermes ici. Donc, va chercher. Alors, le temps que je coupe, je pense qu'il faut que je fasse... attendez, on va faire une autre sauvegarde. Parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On voit que ça fonctionne pas avec ce qu'on a fait là. On va faire ça. La vitesse réduite, qu'on ait le temps de faire des choses. Donc il faudra plus de nourriture de ce côté-là, je pense, que de celui-ci. Parce qu'on a des tout petits quartiers, donc ça va. Donc si je garde... Je vais garder ces fermes-là de ce côté-là. Après, j'ai un petit peu peur de ne pas en garder assez pour le côté gauche. Mais en gros, voilà, c'est ça l'idée. Paf. Accepter, accepter. Ce serait aussi simple que ça, d'ailleurs. Donc là, on a quasiment fini, en vérité. Paf. Vous voyez ? On peut même faire un raccourci ici, d'ailleurs. Donc on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fermes. Pour ce côté-là. Et de ce côté-là, on aurait... Alors attendez, du coup, on a un bout de route ici qui gêne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9... Et 5, 14, si j'ai bien compté. Pour ici. Alors du coup, ce grenier-là, je pense pas qu'il soit particulièrement pertinent. Donc je pourrais le supprimer, en vérité. Parce que ces deux-là, ils suffisaient pour ces deux quartiers-là. Déjà. Donc on va tester avec ça. Zoup. Peut-être une petite étude d'ingénieur au cas où, ici. Attendez, c'est pas la vitesse normale, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais non, c'est pas la vitesse normale, ça c'est 90 la vitesse normale. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux mettre d'autres fermes au cas où ici, juste là? Ah, je peux, c'est fantastique. C'est beau. C'est vraiment très beau. Je vais en mettre là, là. Ok, donc si je veux en rajouter, je peux. Pour ce côté-là... Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse un peu le même délire si je veux faire encore un autre quartier, ou deux. Ici, par exemple. Mais si jamais on se fait attaquer... Donc je pourrais par exemple faire une petite production ici. Avoir une zone de stockage un peu par là, je dirais. on peut essayer d'isoler certaines choses, ouais. Je peux faire une zone de stockage pile ici d'ailleurs. Donc les 10 000 habitants, ça va être un peu compliqué, je pense. Ça a quand même l'air de fonctionner à peu près, hein. Donc à vrai dire, ce grenier-là, je sais pas s'il va être vraiment utile. Alors le seul souci que j'ai avec ça, c'est que... Il faudrait peut-être que je fasse un raccourci là, en vérité. Pour donner une chance à ce grenier-là de choper des denrées alimentaires de ces deux greniers-là. Parce que celui-ci va être en avance. Et du coup, c'est hyper bizarre. J'ai aussi fait un raccourci pour celui-là. Mais ça donne plus de chance aux vendeuses de se perdre dans ce quartier-là. Ça a l'air de fonctionner pour cette maison-là, en tout cas. Oui, bonne idée, tiens. Vous payez quoi comme impôt? Ouais, d'accord, vous avez pas de... Oui. Et bah, comme d'hab, hein, j'oublie les forums.
alors que c'est genre hyper important. Ah, plus de nourriture, c'est ça? Non, pas cette distraction, c'est ça, d'accord. Weird, but okay. Ok, chômage 5%. Ici, ça a l'air d'aller. Alors, comment ça se passe niveau prospérité? 56. Prospérité en hausse. Aussi parce qu'on a quelques bénéfices, pas beaucoup, hein, donc c'est pour ça, c'est bien de... Vous voyez, on a 55% de la population qui paie des taxes actuellement, donc c'est vraiment pas bon. On a perdu énormément d'argent à cause de ça. Donc il est fort possible que je doive faire au moins une ferme. Zut. Poterie, on va stocker pour le moment. Même si j'ai un peu peur parce que je sens qu'on va être à court de poterie dans certaines maisons. Normalement, on a ce qu'il faut dans les marchés. Ça devrait aller. On va voir. Croisons les doigts. Ce serait pas du luxe, peut-être, de faire une ferme de plus pour les légumes et la viande. Mais du coup, j'ai peur qu'on ait pas assez pour le blé. Le blé, on a trop. On a trop, ok, donc c'est parfait. C'est très bien. Dans ce cas-là. Du coup, on va virer ces fermes-là. Légumes. Et porc. Nice. On n'a plus de musique, on va recharger. Allô? Oui, c'est bon. On n'est plus attaqué, tiens. Pas du tout ce que je voulais faire. Cessons le stockage, immédiatement. Et voilà. Bon, écoutez, on va bien voir. Ça, par contre, ça peut pas le faire. Merci. On va bien voir si ces petits palais peuvent suffire pour avoir une bonne prospérité. Mais on voit effectivement qu'on a quelques petits problèmes. Est-ce que le vrai coup de génie, ce serait de faire un truc comme ça, plutôt? Parce que certes, ils vont galérer à mort pour aller chercher les objets. Mais pour les distribuer, ce sera moins galère là-bas. J'ai failli pas supprimer le bon. Génial. Bon. On n'a pas fait les détails de tous les objectifs au début de ce stream. Mais évidemment, la paix, ça fait un moment qu'on est à 100. Et faveur, ça augmente tranquillement. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, la faveur baisse naturellement de temps en temps, mais... vu qu'on a un très bon niveau déjà, avec les requêtes qui arrivent, on n'aura aucun mal à dépasser les 75 assez régulièrement. Le temps qu'on puisse monter justement la population, la culture, la prospérité. Et la prospérité, on s'y est pris assez tôt, donc on devrait plutôt bien s'en sortir. Bon, au niveau nourriture, j'ai l'impression que c'est un peu plus stable de ce côté-là, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus hyper dingue. Là, on voit que les greniers qui stockent... Ah mais déjà, je vois un petit problème. Lui, il va forcément chercher là, j'en suis sûr. Lui, il saoule un peu, j'avoue. Je devrais juste accepter, en vérité. Parce que ces fermes-là, elles vont déposer là, s'il n'y a plus de place là, elles vont aller là. Et limite, on a deux marchés qui vont se servir là, c'est pas grave. Mais je peux évidemment pas laisser... Attends, ils sont bien reliés, c'est bon. J'avais un doute. Ouais, c'est bien, on voit pas du tout la route, quel que soit le point de vue, c'est absolument génial. Celui-là, c'est bon, ok. Ouais, ça galère encore un peu, hein. On peine à refaire les stocks. Attends, quoi? Ces charrettes-là viennent d'où, là? Ah, oui, d'accord, je vois où est le problème. Faut que je rapproche ces deux-là.
Je vois exactement où est le problème. Ah, vous êtes pénible, hein. Je suis obligé de faire des greniers juste là. Parce qu'en gros, certaines fermes se disent « Ah tiens, ce grenier-là est le plus proche. » Mais en termes de longueur de route, non, c'est pas le cas. Donc même si elles peuvent déposer là... Elles vont déposer là-bas. Ouais, d'accord. Oh là là. Oh, quel enfer. Donc en fait, faut vraiment sacrifier un petit peu d'espace pour certaines fermes et juste construire des greniers là. Hein. Limite, si je construis un grenier juste là, ça résout pas mal de problèmes. Je pense que ce sera ça la solution en vérité. Et limite, j'en fais un deuxième ici. Et ces deux-là, ils servent à rien depuis le début. Donc je peux les supprimer direct. Approchez-nous, on va se faire attaquer, ok. On a vu que Ouais, mais du coup, le nouveau souci, c'est que ces deux greniers-là sont plus éloignés de ces greniers-là, donc ceux-là, ils vont plutôt se servir là, ça va. Ça va être fatigant à la longue, hein. Et par contre, niveau nourriture, c'est pas bon du tout, hein. Bon, là, du coup, oui, c'est bon. Et je crois qu'on a exactement le même problème, mais dans l'autre sens. Mais je suis coincé parce que si je mets un grenier là, ces fermes-là vont aller là, mais ces fermes-là aussi. Quel enfer! Donc en vérité, si je veux... Non mais non, dans tous les cas, je suis coincé. Hein. Ils font un vol d'oiseaux, ces imbéciles. Donc séparer un petit peu les productions, c'est bien, mais ça a une limite, quoi. Donc j'aurais quand même faire des raccourcis. Séparer les zones de production, ça va pas fonctionner. Et regardez-moi le détour qu'ils font, ces idiots. Limite, je remets un grenier là. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va remettre un grenier là. Qui va juste accepter. Et puis, on va mettre des raccourcis partout. Ils vont se débrouiller. T'en es marre. Voilà. Comme ça, vous déposez dans le grenier le plus proche. On a quand même des zones assez proches des fermes. Et normalement, on a d'autres greniers qui vont se servir sans trop de difficultés. Ouais, d'accord. Je vois le problème. Pourquoi ils regardent pas la distance la plus courte sur les routes? Y a-t-il une raison pour que vos deux quartiers soient liés par une route? Bah, à cause des greniers. Tout simplement. Parce qu'au début, j'ai fait une grande zone de production de nourriture. Il y avait une seule zone de stockage, donc pour tous les quartiers aient besoin d'une... Pour que tous les quartiers aient un accès à la zone de stockage de nourriture, ils sont forcément reliés. J'aurais pu essayer de séparer dès le début, ça aurait été plus efficace, mais on voit qu'avec les distances à vol d'oiseaux, les fermes se disent « on va plutôt déposer dans ce grenier-là ». Quoique si les réseaux sont complètement séparés, on n'a pas le problème. C'est ça le souci. Parce qu'ils disent la ferme est la plus proche, mais je peux y accéder par une route. Et là, du coup, ce serait un plus gros travail. Ah oui, mais du coup, c'est vrai que si je veux faire des zones de stockage séparées, je peux couper l'accès entre les deux. Bah oui, je suis bête. Ah bah oui, j'ai juste à couper l'accès qui est là, en vérité. C'était bien ce que j'avais fait, en fait. Attendez, on va rechanger. Bonne remarque. Du coup, j'y pensais plus à ça. C'est vrai que je me plaignais. Oui, donc c'était bien ce que j'avais fait avant, c'est bien ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Touk. Tac. Évidemment. Tac, tac. Tac, tac. Ça va être juste avec les bâtiments de divertissement qui y aura un petit souci éventuellement, mais ça,
Ça va. Donc du coup, on peut recouper ici. Et ici. Et ça, ça devrait aller... Bah voilà. Ouais, ça devrait aller mieux comme ça. Alors du coup, ouais, juste ces deux greniers-là, on va les vider. Désolé. Mais qu'on puisse rapprocher un petit peu la nourriture dès le début aussi, ce sera pas mal. Et je pense qu'il y aura peut-être pas forcément besoin de tout ça aussi. On a peut-être besoin d'un peu moins. Du coup. Parce que là, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va voir. Bon, ça, c'est pas grave du tout. Et j'ai reçu un message. Ennemi aux portes. Ok. Et la miracle, ça marche. C'est beau. Merci pour la bonne remarque. Et déjà là, ça commence à aller mieux. Bah oui, bah voilà. Alors, chômage. Oh! Comment voulez-vous qu'on avance avec ça? C'est plein de poterie partout. Ouais, donc la bonne question, c'est est-ce qu'on va pouvoir distribuer de la poterie un petit peu partout aussi? Un beau quartier de riches, un peu instable encore. Ah, ils sont trop loin. Ils sont trop loin des... Ils sont trop loin des greniers. Si je leur donne juste un tout petit peu de nourriture à eux... Alors attendez, là du coup on est dans accepter. Va chercher, c'est ça que je voulais faire, mais bon c'est pas un gros souci. On va peut-être manquer, on manque un peu de nourriture de ce côté-là. Par contre j'ai plus beaucoup de place pour des fermes. Est-ce qu'ici on a assez? Non mais on n'a pas assez dans, on n'a pas assez globalement. C'est ça le souci qu'on a aussi. Aïe aïe aïe. Ça va être compliqué de séparer les productions. Hein. Mais pas impossible. On va se débrouiller, on va faire des virages un peu dans tous les sens. Sont-ils servis par un marché? Les riches, oui bien sûr. Il y en a même trois en fait. Et le souci qu'on a, c'est qu'on tombe souvent à court de bah, soit de poterie, pas de poterie en vérité. Soit de meubles, soit d'huile, soit de vin. Mais le souci qu'on a, c'est qu'on a pas mal de... On a trois greniers ici, et du coup on a pas mal de croisements qui sont faits. Donc en fait j'ai essayé de jouer sans forcément utiliser l'astuce des corps de garde. Parce que c'est un peu moche. Et dans les autres missions, globalement, on arrivait à s'en sortir sans utiliser de corps de garde. Mais effectivement, les marchés galèrent un petit peu. À bien distribuer. D'ailleurs, on est vite à court de nourriture ici, d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai supprimé d'autres... Ouais, d'accord, ça, je vois le problème. J'ai supprimé quelques fermes de blé, je pense qu'il en faudrait une de plus, idéalement. Je peux peut-être m'arranger pour faire ça. J'aurais dû déplacer une route. Oh. Il y a un truc que je peux faire, mais... Bah oui. Pff. Ah, je crois que j'ai pas la place. Si, c'est bon, j'ai la place. Ça devrait aller. Ajouter d'autres marchés, c'est un peu... Ça se pourrait, mais en fait, déjà celui-ci, il est où? Attends. J'en avais pas mis un là. Ah non, oui, je l'ai déplacé, c'est ça, je l'ai déplacé.
Donc celui-ci ne sert à rien, ça c'est vu. Mais si je m'arrange... En fait le truc c'est que si je m'arrange pour lui donner la nourriture, peut-être qu'il ira servir d'autres trucs. Mais il est un peu loin quand même pour ça. Limite. Oh oui, peut-être un truc... Peut-être un petit espace que je pourrais libérer. Est-ce qu'il y a moyen? Ah, il y aurait peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. On peut peut-être déplacer ce dispensaire-là. Parce qu'il y a un espace là, juste à côté de l'hôpital. Et pour l'étude d'ingénieur, on peut peut-être la déplacer un peu plus par là, peut-être. Je pense pas que ça change grand-chose. Et là, on aurait des marchés juste à côté des greniers. Ouais, les greniers qui sont vides aussi, c'est normal, parce que les stocks sont aussi surtout sur les marchés. Attaque de barbares. Ah oui, parce que j'ai orienté la carte différemment, d'accord. J'ai failli paniquer. D'ailleurs, mes raccourcis sont toujours actifs. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ok. On va appeler tout le monde, hein, ouais. Absolument tout le monde, surtout les javelines. Alors. Mince. Il y en a que j'ai pas amené au bon endroit, génial. Qu'ils sont bien placés, pas trop. Alors eux... Non mince, c'est pas eux que je voulais. Oula. On va changer d'ordre. Aïe. Vite, venez sauver vos potes. On s'est fait avoir là. Bon, les balistes sont assez proches, c'est bon. Au niveau des pertes. 5, ça va. On a survécu, on sauvegarde. Bon, et puis là, on n'a qu'à attendre. Ah, ouais. Plus d'huile. Ouais. Urgh. Ok. Ouais, j'ai quand même l'impression que les marchés se marchent un peu sur les pieds. Et que certains, par manque de nourriture, ne refont plus leur stock que dans les autres types de biens. Parce que là, on voit qu'il n'y a rien. Ça part très vite, hein, en plus. Bon, j'ai un doute, mais je pense pas que... faire évoluer les marchés les rend plus efficaces. Je veux dire, là, ce marché-là est beau. Mais je crois pas que qu'améliorer un marché, en tout cas le rendre plus attrayant, ça augmente son efficacité. Sinon, ce marché-là suffirait à fournir absolument tout le monde sans faille. Et on voit que c'est pas le cas. On peut quand même mettre quelques jardins, peut-être. Allez, pour le prestige. Eh mais il y a des entrepôts juste à côté, et des greniers en plus. C'est même pire. Ah. Pardon. Comment ça, on est pauvre? Ouais, ça, j'avais remarqué ça tout à l'heure. Pourtant, on a plus de gens qui payent des taxes. Les impôts, ok. Ici, normalement, c'est ok. Il n'y a pas tout le monde qui paye. Ici, c'est bon, parce que le Sénat génère un percepteur. 55, ça m'a l'air vraiment peu. Alors que tout le monde est censé être à peu près couvert par un percepteur. On a surtout quelques maisons qui sont juste placées comme ça pour donner de la main d'œuvre à certains bâtiments. Donc ça c'est pas grave, mais sinon dans tous les quartiers on a ce qu'il faut.
Donc c'est bizarre. Bon, ici, ça, ah, ici c'est bien, ça se remplit bien, c'est cool. Donc c'est ok, j'ai l'impression, ces 4 greniers là. On a des quartiers à nouveau assez... Ça saoule. C'est bon, on a regagné notre stabilité dans ces quartiers là. Oui, c'est vrai qu'on y a pensé de rapprocher un peu encore le vin et l'huile. Mais c'est pas le problème de stock, hein, en fait. C'est pas du tout... Ah, je viens de penser à un truc. On a vu que les dames qui vont acheter des trucs peuvent quand même en distribuer aussi, quand elles passent à côté des maisons. Donc limite, lorsqu'une dame du marché se rend dans un entrepôt, si elle passe à côté de maison, elle distribue aussi. Oui, mais là, on en a quand même 3. C'est-à-dire que si on en avait un avec tout à côté, je pense qu'il gérerait à peu près bien. Faudrait que je regarde un petit peu plus près, parce que le problème, il a l'air d'être ailleurs. Est-ce qu'un marché tout seul peut générer à la fois un personnage qui va acheter des biens et un autre qui va les distribuer en même temps? Normalement oui, hein. Mais on l'a vu dans d'autres missions, dans ce jeu-là c'est assez complexe de comprendre exactement ce qui ne fonctionne pas dans les marchés. C'est où déjà? Mince, oh, ça saoule. Nourriture. Parce que c'est vrai que c'est un peu loin. Après, en vérité, c'est vrai que ça gênerait pas du tout. Hein. On peut tenter, hein. Ça vaut le coup. Et puis ça fait que 2 entrepôts en plus, c'est pas énorme. Eux, ils vont déjà chercher des trucs, on va les laisser tranquilles. Ouais, en vérité, ça coûte pas grand chose d'essayer. Hein. Ce serait effectivement un peu plus proche. Est-ce que j'ai bien fait ma route? Ouais, c'est bon. Donner des ordres tout de suite. Et là, c'est le vin. Vérifie que j'ai bien visé. C'est bien en face. Ça va aider un peu, effectivement. Ouais. Ouais, parce que l'air de rien... Ouais, ouais, ça va gagner pas mal de temps. On va voir. Un se promène et un va chercher, ouais. Mais en même temps. Parce que si c'est en même temps, à ce moment-là, c'est pas vraiment ça le problème. J'en vois pas, là. Et moi, je pense vraiment qu'elles vont se perdre un peu dans tout ce bazar, là. En voilà une. 7-7-4. Elle est passée. 7-7-8, ok. 1-1-2. 4-4-8, d'accord. 4-4-8. Elle aurait peut-être une limite par rapport à ce qu'elle peut transporter. Pourquoi je perds autant d'argent d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bénéfice perte. Il y a un truc que j'ai oublié de... Exporter. Ah mince! Ouais, d'accord, je vois. Ok, pardon, j'ai fait une grosse bêtise. À cause de la dernière requête, j'ai oublié de remettre l'exportation de poterie. Donc on est pauvre maintenant. Bon, ça va remonter, c'est pas grave, mais du coup, c'est la prospérité qui va s'en... Qui va s'en... S'en ressentir. Bon. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Niveau chômage, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour avancer? Oui.
Donc est-ce qu'on prend le risque? Parce que donc là, il leur faudrait terme plus poterie. Déjà, on va voir si on produit. C'est pour ça, du coup, que l'entrepôt est plein. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, parce qu'avant, c'était jamais le cas. Quel guignol. Bon, alors. Donc ici, amphithéâtre. On a des combats. Ah oui, j'ai mis une arène ici, ok. J'ai mis une école de gladiateurs ici. Eux, ils ont théâtre. Ils ont que théâtre dans ce quartier-là, d'ailleurs. Bon, pour l'instant, c'est pas urgent. Je ferais bien quand même un quartier plutôt par là, je dirais. Si deux marchés se servent... Il y a quand même quatre greniers, donc ça devrait aller. On va tenter un petit quartier ici, je pense. Bien les espacer, je pense que ce sera pas mal. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, j'aime bien. Tac. Vendu. Il n'y a peut-être pas énormément d'espace, mais ça devrait quand même plutôt bien se passer. Le souci, c'est qu'ils pourraient manger directement à partir de là. À partir de ce marché-là. Bon. On va quand même tenter un truc. Cela dit, si je leur mets pas de si je leur mets pas de fontaine ou de puits, ils vont pas évoluer. Mais du coup... Il me faut quand même construire quelques bâtiments parce qu'on a un taux de chômage qui est un peu trop élevé. Niveau nourriture, on n'est pas si bien que ça. On va étendre la production par là, pour ce quartier-là, s'il y a besoin. Il m'a encore supprimé ma musique, il fait ça à chaque fois. Terrible. Ok. Je peux construire là quand même. Ouais, tout ça, ça devrait aller. La manœuvre est un peu loin, c'est juste ça le souci. Ouais, ok. Ah. Ok, on a quand même un souci ici. Ouais, bon, c'est normal. Ah oui, lui, je l'ai pas supprimé. Voilà. Puis on pourra faire un petit raccourci ici. Au moins on fait des choses utiles. On pourrait faire des petits théâtres si on a encore trop de main d'œuvre. Bon, ça a l'air de s'être stabilisé. Ici. Il y a aussi quelque chose qui me donne l'impression que les marchés distribuent pas forcément tout le temps quand il y a de la place. C'est que tout à l'heure, on était à 3-3-5 et on était à 3-3-8 après le passage. Genre meuble huile 20. Donc si ça se trouve, en fait, quand il y a encore de la place dans les stocks, les marchés vendent pas forcément, c'est à partir d'un certain nombre qu'ils revendent. Genre typiquement en dessous de 4. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Attendez, j'ai dit une bêtise peut-être. Ouais, je crois qu'on est passé de 3-3 à 4-4 au niveau du stock de meubles et d'huile. Est-ce qu'on a... Ouais, c'est bon, on a une dame du marché qui arrive. On en a une qui est, on en a une qui est passée, d'accord, au retour. Ok, ça marche. 1-1-2, alors là on va peut-être avoir un problème. Elle est là, elle va jusque là. 4 gratuites, ouais, c'est ça. À moins qu'on monte pas au-dessus de 4 pour les chaises et pour l'huile. J'ai peut-être... Il me semblait que si. Ah, c'est pour ça qu'ils tombent à court plus facilement de ces trucs-là. Ils ont des stocks plus petits.
J'ai dit une bêtise. D'accord. Donc poterie et vin, ils tombent moins souvent en rad. Mais meubles et huile, plus facilement parce qu'ils en ont moins de base. Je vois. Je vois. Bon, d'accord. Mais c'est l'air de marcher en tout cas. Et vu qu'on exporte à nouveau de la poterie, ça devrait aller mieux. À ce niveau-là. Niveau des sous, je veux dire. On peut pas parler d'un niveau, enfin on peut pas dire ce niveau-là quand on n'a pas parlé du niveau en question, avant. Trop de chômage, donc on va mettre quelques théâtres. Commencer un petit peu à prendre soin de notre niveau de culture, bien sûr. Et si je devrais en mettre d'autres? Au niveau des dieux, comment ça se passe? Mécontent. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Est-ce qu'on a du marbre? Oui, on a un peu. On va mettre un petit oracle quelque part. Ici, ils en ont un. Ici, ils en ont pas, mais bon. Ouais, là, c'est pas mal. On a une petite place. On va directement en faire un autre, d'ailleurs. En faire un ici, d'ailleurs. Histoire de faire un peu joli. Peut-être que j'aurais besoin de mettre un réservoir là, donc je vais en mettre un ici. Je vais pas mettre le réservoir trop près de cette maison-là, par contre. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, ce sera bon avec deux fontaines. Parfait. Voilà, on a l'emplacement des deux fontaines. Et il faut qu'on baisse le niveau de chômage avant de balancer tout ça. Et qu'on vérifie que les greniers sont bien pleins. Ouais, c'est bon. Les greniers vont être bien pleins. Alors peut-être que j'ai fait trop de fermes pour ce quartier-là maintenant. On redirigera, c'est pas grave. On fera une route. On fera une route en conséquence. C'est pas non plus trop clair, hein, ici, ce qui se passe. Alors du coup, est-ce qu'on peut quand même tenter l'hippodrome ? Ah oui, l'hippodrome, c'est vrai. Ouais, enfin bref, ouais. Oh, ça peut se tenter. Ça peut se tenter parce qu'on peut... Ouais, ok, je vois exactement quoi faire. Mais l'hippodrome, attendez, on a combien de personnes qui n'ont pas de travail? 227. Vraiment, pour l'évolution des maisons ultra riches, ça vaut le coup, hein. Mais du coup, l'hippodrome, faudrait que je le place plutôt là. Ah, j'espère qu'il va pas prendre toute la place. Mince, il y a le fort qui gêne. Ah, ça gêne pas tant que ça. C'est combien déjà? 150 employés, wow. Alors la main d'œuvre, ils vont la chercher où par contre? Bon, on va remettre un petit peu de main d'œuvre par ici parce que ça va être galère sinon. Voilà. Et on met le fabricant de chariots ici. On va le mettre tout au bout. Je pense pas que... Oh, si, on a la place. Ah, d'accord. Est-ce que je le mets... Ouais, non, ça fait un raccourci ici, c'est pas mal. J'ai peut-être fait un bout de route en trop, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça, les chars vont passer devant les maisons et ce sera fantastique. Elles seront diverties par les courses de chariots clandestines dans leur rue. Ça fait beaucoup moins de chômage tout d'un coup. Donc, pas trop loin du grenier quand même le marché, s'il vous plaît.
Ah oui, effectivement, ça a bien fonctionné. Alors du coup, je vais mettre le marché plutôt ici. Hein. On va pas mettre de bâtiments qui risqueraient d'affecter les maisons qui sont là. Grand palais. Ouais, voilà, justement, ils ont un petit souci d'attrait ici. Alors comment j'ai fait ? Ah. Ah oui, l'hippodrome quand même, c'est le grand luxe. Après, c'est peut-être surtout le niveau général de divertissement de la cité qui fait que ces maisons évoluent. Ça influe aussi là-dessus. Par contre, l'hippodrome est très mal placé. Ça n'a aucun sens d'un point de vue, on va dire... D'un point de vue esthétique, c'est moche, quoi. L'emplacement de l'hippodrome est vraiment horrible. Limite, ici, ça aurait du sens. Mais vu qu'on a éloigné les réservoirs pour pouvoir mettre les fontaines là, on n'a pas eu trop le choix, quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais fait ? De ce côté-là, j'avais mis des petites statues, ici. Statue là. Et pour lui, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste des jardins ? Ah oui, mince, la base. J'ai oublié la base. Ah, en plus, c'est l'oracle qui s'est effondré, mince. Désolé. Un petit dispensaire aussi. Donc ça, en vrai, c'est la tuile. Bon, je pense qu'il faut de toute façon un temple pour chaque dieu à nouveau. Donc je vais pas me casser la tête, c'est exactement ce que je vais faire. Voilà, surtout avec les greniers qui sont pas trop loin. Bien, bien, bien. Donc c'est exactement pareil, hein, 5 temples ou un oracle. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe avec les finances, là ? Importation, c'est pas ça qui nous ruine. Revenu taxe, importation, salaire, ouais, ça coûte plus cher. Construction, 4000. J'ai fait pas mal de... Ouais, ce sont les constructions, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Ah oui, l'hippodrome, ça coûtait combien ? 2500, c'est pour ça ! Et on peut construire qu'un seul hippodrome, d'accord. Dites-moi que ça va pas rester là, ce truc-là. Ok, c'est bon. Oui, oui, d'accord. Oui, bon, ça va. Ça va. Si c'est que ça, ça va. Donc si j'avais mis que des jardins là, ça devrait aller comme ça. Voilà. Bien, bien, bien. Il manquait juste ça. Et des petites statues de chaque côté de la fontaine. Bien. Donc c'est fait. Yes. Enfin, c'est fait pour ça, en tout cas. 6 palais luxueux, est-ce qu'on a déjà fait... Ben non, il n'y a pas celui-là. Ben non. J'ai créé Victor Book trop vite. Oh, c'est pas un souci. Grande statue. Et c'est bon. Voilà. Donc quoi, c'est pas compliqué. Ah, voilà. Dans ma tête, j'étais, il y a eu une contradiction parce que j'étais censé en voir 6 et je savais très bien que j'en voyais que 5. Mais je voyais pas l'autre maison en tout cas. Bah voilà. C'est bon. Ouais, donc quand même ça vaut le coup de rapprocher les marchandises, ouais. Ça vaut le coup de les mettre vraiment juste à côté. Parfait. Donc ça c'est fait, il n'y a plus qu'à maîtriser le reste. Là, il me semble que j'ai bien vu. Hein. Je surveille. Peut-être refaire des petits festivals, histoire de ne pas perdre l'habitude. Histoire d'avoir, je sais pas... quelques petites bénédictions par-ci par-là. J'aurais peut-être dû commencer par mars, on fera un tout petit festival pour lui juste après. Oh, je suis un peu radin, peut-être que je vais faire des festivals un peu plus ambitieux. Pas avec le vin, parce que ça coûte du vin. Quoique, on a ce qu'il faut, je crois.
Surtout pour les riches, ouais, parce que mine de rien, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de maisons, mais ça fait des gros stocks, c'est vrai. Et ça fait beaucoup de marchandises différentes aussi. Ah oui, c'est à ça que j'ai pas trop pensé. Le temps qu'ils aillent chercher une ressource, ils vont pas en chercher une autre. Je pense qu'ils peuvent transporter qu'un seul type de ressources différents à chaque voyage. Ouais, mais ils avaient toujours des stocks. C'est ça que je comprends pas. Ils avaient toujours des stocks et pourtant ils distribuaient pas. À aucun moment on a été à zéro, je crois. En tout cas dans ce stream là. Bon, en tout cas, ça marche. Je vais pas m'en plaindre. Ah, faudrait qu'il fasse un peu plus de stock. Je sais pas quel est le stock maximum pour les marchés. Bon. Yeah. Après, pour les bénédictions, on a vu que c'était pas la peine de faire des festivals énormes. Ouais, on va rester avec les festivals moyens. Fontaine, ouais, donc il faut que je rapproche un réservoir, c'est bien ce que je pensais. Et pas trop non plus. Je l'ai placé où? Ouais, lui, il est placé à peu près là. Si je le place là, est-ce que ça fait pas trop de... d'attrait négatif? Ça a l'air d'aller. Ouais, c'est bon, ça va. Il manque une case. Génial. Donc il faudrait... faudrait plutôt que je le place là en vérité. Ça fait toujours moche, mais bon. C'est pas comme si on avait le choix. Fontaine, tac, tac. Et voilà, c'est beau. Bah alors, pourquoi il est pas content, lui? Il a faim, c'est ça? Est-ce qu'un préfet peut s'occuper de... Il a disparu. Ok, il était content. Il était prêt à tout brûler. On a amené la nourriture juste avant, il s'est calmé. Ouf, on a eu de la chance. Et en plus, on a d'autres qui arrivent. Oh, c'est beau ça. Oh. Qu'est-ce qu'ils peuvent transporter quand même par voyage? Vive le travail des enfants hein, quand même. Regardez-moi, c'est... Oh là là, ils sont tous en osmose, c'est beau. Merveilleux, merveilleux. Cette cité n'est pas mal. Hein? Attends, quoi? Cette cité n'est pas mal. Ah oui, ils ont déposé ce qu'ils sont partis chercher. Là, ils repartent chercher autre chose, d'accord. Ouais, non, c'est bon. En fait, En fait, les gars, ils poussent leur charrette H24. J'étais en train de me dire comment ça se fait qu'ils repartent. En fait, j'avais l'impression qu'ils venaient des fermes, c'est ça que je me demandais. Parce que mine de rien, on a quand même deux greniers là qui servent juste à stocker la nourriture et ceux-là qui sont censés les décharger. Mais j'ai l'impression qu'on produit beaucoup là, c'est bien. C'est très très bien. Je pense que là, on peut faire évoluer. Ah, quoique... Ouais. On va peut-être attendre que les stocks de nourriture se fassent dans chaque maison avant de se dire c'est bon, on peut y aller. Et on est quand même quasiment à 6000. C'est bien tout ça. Niveau des finances, ça va aller mieux. Niveau prospérité, il faut qu'on surveille ça aussi. On est à 68, la prospérité est en hausse. Ah oui, parce que ça, on l'a pas vu. Est-ce que ça va suffire, ces 6 maisons-là? Ça par contre c'est vraiment pénible. Sans cesse en train de refaire des puits d'argile. Bon, de toute façon on a déjà beaucoup de poterie même si on en vend pas mal.
pense qu'on en fournit beaucoup plus que nécessaire. En plus, on a un petit peu de chômage. Je pense qu'on peut... On peut essayer de produire un peu plus de poterie et de se dire qu'on va probablement fournir certains quartiers. Oh, du coup, on pourrait faire un entrepôt un peu central ici qui fournirait à peu près tout le monde. Alors, un entrepôt, non, probablement deux. Minimum, je dirais. Je sais pas si on, aura, si on ira beaucoup plus loin que... Hop, 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 c'est quoi ? C'est pas encore tout à fait parfait ici, hein. Mais difficile de voir ce qui pose problème. Donc on verra ça après. Oh. Ou alors, c'est vrai que par contre, niveau production de poterie, on peut faire ça à peu près où on veut. Où on veut, là où il y a de l'eau. Et je crois qu'on a qu'un seul 1 ici aussi. Ouais, mais non. C'est pas intéressant. En tout cas, je pense qu'on pourrait produire un petit peu plus de poterie. Ouais. Histoire d'être sûr qu'on pourra fournir tout le monde. Les stocks de nourriture sont pas énormes. Dans certaines maisons. Et eux, ils en ont pas, d'accord. On va attendre encore un peu alors. J'ai quand même envie de refaire un petit quartier par ici. Hein. Ça a l'air de pas trop mal marcher. Bon, il y a un moment où ça va quand même être un petit peu bancal, toute mon histoire. Hein. Mais... Est-ce que c'est grave ? Bourf. Voilà. Peut-être pas faire des trucs trop moches non plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tac. Ouais, ça c'est bien. J'aime bien. Salut John Rocket. Les palais de luxe seront suffisants pour la prospérité. Bah j'espère. J'espère. On en a fait 6. Hein. On a fait ça un petit peu à la louche parce que dans certaines missions, on en faisait 4-5. C'était pour des niveaux de prospérité un peu plus bas. Oui, voilà, c'est suffisant. C'est bien. Donc si ça reste à peu près comme ça... Ah ! Ah ah ! Ah bah c'est l'huile qui pose problème. Et les meubles. Mais ça va revenir assez vite. Ah, dommage. Il manque pas grand-chose. Hein. Bon. À la limite, bon, on perd des habitants. Donc il faut qu'il réinvoque. Non, pas du tout. Il faut qu'il se réinstalle. Mais bon, ça à la limite, ça va à peu près. C'est un peu gênant, mais la prospérité est une valeur qui varie tellement lentement que ça devrait pas trop être gênant. Mais sinon, par contre, effectivement, je mettrais bien genre 2 entrepôts de poterie ici pour fournir tout le monde. Je voulais pas les faire tout de suite. On va attendre. Ouais, parce que eux, ils mangent pas non plus totalement à leur faim. Donc, ce serait peut-être plus intelligent de mettre le marché plutôt de ce côté-là. C'est peut-être plus loin du grenier, mais au moins c'est... Ce sera peut-être moins galère pour répartir la nourriture. Mais parce qu'en plus, vu qu'ils peuvent se perdre dans l'autre quartier, c'est bien qu'ils soient plutôt par là. Disons qu'ils ont plus de chances de faire le tour. En étant là. Limite, je devrais même le mettre là. Si je veux vraiment m'assurer qu'il patrouille dans ce quartier-là, quoi. Bon, c'est juste que là, c'est vraiment très loin. Bon, vu que les greniers sont assez pleins et que... Ah, il n'y a pas trop de stock ici. Ouais. Bon, tant pis, on va voir quand même. Est-ce qu'on a beaucoup de chômage ? Ouais, on en a beaucoup, mais on va faire des fermes, peut-être. Pour les quartiers, ouais, 2-3 marchés. Ça dépend de la taille aussi.
Et ça dépend de la disposition, parce que on a déjà fait des quartiers avec effectivement deux marchés. Mais après, vu la configuration de ma cité, il faut que je fasse attention, parce que si je mets deux marchés dans un quartier, vu que certains partagent des greniers, il y a certains marchés qui vont se trouver avec quasiment tous les stocks de nourriture et les autres, ils auront rien. Bon, après, j'ai pas l'impression que les greniers soient vides très souvent, donc ça devrait aller à ce niveau-là. Alors, j'aurais peut-être d'abord dû faire des bâtiments qui demandent des employés. On va déjà peut-être faire d'autres ateliers de poterie. Ça coûte pas grand-chose. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore oublié... Non, c'est bon. Ah si, peut-être. Bah oui. Bien sûr. Moi, ça va, je rajoute des maisons comme ça. Excuse-moi John, j'ai pas vu ton message tout à l'heure. Ouais, c'est bon, le quartier des riches, ça va, c'est à peu près stable. On a ce qu'il faut, on a une prospérité qui est à 76. Bon, la culture, évidemment, c'est pas tout à fait ça. Peut-être commencer par les bibliothèques, hein, en fait. Si on a vraiment beaucoup de chômage, on va peut-être faire quelques bibliothèques. Parce qu'une bibliothèque, c'est genre, je crois, 20 employés par bâtiment. Ouais, c'est ça. Donc si on en fait une par quartier, ça devrait aller assez vite. Distribution, on va voir hein, si on rajoute des marchés tout à l'heure. On le fera peut-être. Ça fait beaucoup de bibliothèques hein, quand même. Alors j'en ai pas mis partout pour l'instant, je crois. J'en ai pas mis chez les nouveaux, par exemple. Bon, pour l'instant, ils en ont pas absolument besoin. Ah, le jeu est beau, hein. Pour son époque, il est de 98. Et je sais qu'il y a un jeu qui avait été refait. Enfin, il y avait une version qui avait été refaite. Je crois pas que c'était les mêmes. Une version un peu plus moderne, mais il y avait pas le même charme qu'ici. Comme quoi, parfois, même quand c'est vieux, ça peut être très très beau et on peut avoir du mal à faire quelque chose de plus beau. Après, par exemple, pour le remake de Pharaon, je trouve que le remake, déjà, quand j'avais testé la démo, était très beau. Alors justement, j'ai tellement hâte d'y jouer à ce remake. Petite maison, c'est vrai. Ah oui, parce que j'ai mis une bibliothèque là, donc ces maisons là ont accès à une bibliothèque. Bon, ça m'arrange pas parce que du coup ça a fait évoluer des maisons que je voulais pas faire évoluer. Du coup c'est un petit peu trop hétérogène ici. On a des maisons qui ont pas de nourriture, d'autres maisons qui sont un peu évoluées. On a quand même des stocks. Ça va. Il manque quand même 3500 de population hein. Ah oui, mince, j'ai pas refait le puits d'argile. On va avoir des problèmes. Ah. Et il faut que j'en fasse un quatrième, d'ailleurs. Ah, ici, je peux pas. Je crois qu'ici... Non, ici, je pouvais pas en refaire un. Si je fais un... On va peut-être faire un truc. C'est pas grave si on fait ça comme ça. C'est pas très beau. Bon. Argue. Oh. Ok. On pourra en faire un autre ici. C'est chouette. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 8, c'est ça. Donc on peut en faire 2 de plus. Il y a un petit raccourci pour les marchands ici, c'est cool. C'est bien, on prévoit un petit peu pour la suite. Ouais, ici, ça allait un peu vite, je pense.
Alors du coup j'ai rajouté un quartier, mais est-ce que... Évidemment. Je pense qu'on va devoir rajouter quelques fermes là-haut. Parce qu'on a ce qu'il faut au niveau main d'œuvre d'ailleurs. Ok. Alors on avait vu qu'on pouvait en rajouter directement ici. Ah, dommage. On peut continuer là-haut. En fait, le point de repère principal, ça va être ces deux greniers-là. Et ces deux-là. Bon, ici, on a vu que c'était stable, à peu près. Attends. Petite maison. Ah, c'est un bug visuel, peut-être. Parce que c'est, ça, c'est pas une petite maison, hein. Ça, c'est une petite maison. Attends, 0 mois pour... Attends, c'est un bug, ça aussi, ou pas? Attends, César m'a vraiment... Enfin, le César, n'importe quoi. L'Empereur m'a vraiment demandé quelque chose là, maintenant, tout de suite. C'est un truc dans ce jeu-là? À chaque fois qu'il m'envoie un message, il me vire la musique. Oups, j'ai chargé le sauvegarder. Bah, j'ai à nouveau ma musique, mais disons que... Mince. Oh. Et c'était avant qu'on mette... Oh non, on a perdu. On a perdu plein de progression, ça m'énerve. Bon, bah c'est pas grave. C'est juste un tout petit peu frustrant. Bah ouais, c'est l'ouverture de l'hippodrome. Oh non, on a perdu tellement de progression là, c'est... Ah ! Grosse erreur. Bon, on va speedrunner cette partie-là. C'est pas grave. C'est avant les bibliothèques aussi. Aïe aïe aïe. Quelle erreur. Et j'avais fait... Oh là là. Bon. L'autre, il m'a viré ma musique et je fais une bêtise derrière. Génial, merci. Bon, ça va aller assez vite quand même. Arr. Ah oui, c'était avant. Oh. C'est bon. Ça, c'est ok. Et voilà. Bon. Ça c'est fait. Je vais pas trop tarder à m'arrêter non plus. Hein. Je vais pas non plus finir trop tard. Alors du coup, attendez, on n'a pas de main d'œuvre pour les... Alors on n'a pas encore fait les bibliothèques. Au moins... Ouais, au moins ces quartiers-là... Ok, les productions sont séparées. Déjà ça. Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Oui, il y a des charrettes de céréales qui sont parties de ce côté-là. Enfin, qui sont remontées, justement. Qu'est-ce que ça pensait? Mes trois jeux du moment. Je suis en train de réfléchir si je joue à un truc régulièrement en dehors des vidéos. Parce que sinon, c'est Assassin's Creed Valhalla, WW2K22 et... Gwent, peut-être Kaiser 3, justement.
C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop joué en dehors des vidéos YouTube. Disons que mon petit séjour d'un jour à Londres m'a pas forcément permis de beaucoup jouer en dehors. Entre la préparation du voyage et le contre-coup du voyage. Mais en fait, c'est une remarque que je faisais aussi souvent dans les autres streams. Il y a plein de jeux que j'ai envie soit de refaire, soit de faire tout simplement et de finir aussi. Parce qu'il y a les jeux que j'ai déjà finis que j'ai envie de refaire. Et les jeux que je suis en train de faire mais que j'ai pas encore fini et que j'ai pas avancé depuis quelques temps. Donc beaucoup trop de choses à faire. Ah si, hier j'ai un petit peu rejoué à Hand of Fate que j'ai pris il y a pas longtemps. On va anticiper d'ailleurs ici aussi. C'est comme ça que j'avais fait, je crois. Ouais. Bon, comme prévu, c'est moche. Hein. Ok, on peut le faire là, c'est cool. Ah, mais on peut en faire plein en fait. Londres, bien sûr, évidemment que j'aime Londres, c'est moi qui ai construit la ville. Mais sinon, sérieusement, ouais, c'est sympa. C'est sympa. On avait un petit peu de temps après avoir testé 2K23, on a carrément marché jusqu'à la gare pour aller manger à côté. C'était vraiment très sympa. Bon, le truc, c'est que j'étais en train un petit peu de m'endormir parce que quand on a testé le jeu, on était quand même dans une salle avec plein de PC. Et comme un guignol, j'avais pas retiré mes épaisseurs. J'en avais pas mal parce que justement dehors il faisait froid. Donc j'avais un t-shirt, une chemise et un hoodie que j'ai gardé. Et au bout de, je sais pas, peut-être une demi-heure de jeu, j'étais en mode mais mince, mais je suis en train de me sentir mal. Tout simplement parce que j'avais chaud. Et du coup sur le chemin du retour, c'était un peu le contre-coup de... Puis en plus, vu que j'avais dormi sur Paris la veille, j'étais pas chez moi, et quand je dors pas chez moi, je dors toujours un petit peu moins bien. Et du coup, j'avais dormi genre qu'une heure. C'était dur. Le pire, c'était dans l'Eurostar pour le retour. Ouf. Du coup, j'hésitais. Est-ce que je dors au risque peut-être d'être encore plus fatigué après, parce que si on dort trop... Vous savez, hein, si on fait des siestes trop longues, par exemple, on peut se sentir encore moins réveillé au réveil, justement. Donc c'est pour ça que des fois faut privilégier les siestes un peu plus courtes. Mais ouais, dans l'Eurostar, j'étais en PLS quoi. J'étais un peu décalé aussi parce que quand on est allé manger, il était genre 2h au Royaume-Uni, mais il était 3h en France. J'avais pas faim du tout. Parce qu'on avait pris un gros petit déj toujours à Londres avant de tester le jeu. Ça m'avait tellement bien calé, les pancakes c'était énorme. Pancakes, c'est la vanille avec des fraises et une espèce de crème qui faisait un peu glaçage. Oh, c'était trop bon, mais qu'est-ce que c'était lourd. En tout cas, c'est ça que j'ai pris, mais c'était trop trop bon. Et du coup, j'étais trop trop crevé après. Et sinon, c'était sympa. Et c'est joli en plus, hein. Très très joli. Bah, rien que la gare Saint-Pancras, celle par laquelle on arrive quand on prend l'Eurostar. Magnifique, hein, c'est un... Vu d'extérieur, ça fait vieux bâtiment avec les briques orange, là. Très très sympa. J'ai pas pris beaucoup de photos à Londres, d'ailleurs. Faudrait que je prenne l'habitude d'en prendre un petit peu plus. Bon, sinon, Vostok. Ouais, Vostok, ça va à peu près. Du coup, on n'a pas fait les bibliothèques. Peut-être qu'on peut en profiter pour... Pour commencer à faire évoluer ce quartier-là. Bon, je verrai ça juste après, c'est pas grave. Faut juste que j'oublie pas. Mince. Bon, ça va, on a assez d'argent. Pas la peine d'annuler. Ok, ça c'est pas mal.
Donc peut-être qu'on fera une, qu'on peut faire une progression un peu plus douce ici, cette fois. Et on va quand même faire des fermes, en plus. Pouah. Ah, bon. Ah, c'est bien comme ça, on fait un tir groupé. Et ça, on n'y peut rien, hein. Ce sont des événements qu'on ne peut absolument pas éviter. Mais ça arrive un peu trop souvent d'ailleurs, ça. Sauvegarder. Nice. Et si c'est beau. À la prospérité, du coup, on est retombé à 68. Mais ça faisait longtemps que j'ai pas sauvegardé en plus. Mince. Pas trop de chômage cette fois. Je suis fatigué. Ah, c'est bon, elle est partie se fournir. Elle va revenir. Ouais, j'aurais peut-être dû laisser les stocks grimper encore plus. Mais je crois que c'est genre 800 le max pour un marché. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est ça. Ce qui paraît peu quand on voit un petit peu les stocks monstrueux que peuvent avoir certaines maisons. Par exemple, celle-là, 128. 128 par exemple, c'est assez énorme. Et elle a 119 carrément. 119 pour une petite maison comme ça quand même. Hein. Seulement une case, là c'est 4 cases quand même. Tiens, j'ai entendu quelqu'un mourir. Peut-être un criminel qui s'est fait avoir par un préfet. Alors on est en janvier. Oui, des bénéfices, bien. Salaire au secours, revenu taxe, ouais, moyen. La population est très satisfaite, elle peut peut-être supporter une petite augmentation des taxes. 4% de chômage, donc ça va, pas assez de logement, des réserves pour 7 mois, et les citoyens veulent plus de bibliothèques. Bah pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour que les gens bossent là-dedans. La prochaine étape pour ce quartier, c'est l'école. On va attendre encore un petit peu qu'il y ait plus de nourriture dans les maisons. Ah. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Ici, j'en ai fait plus. Des fermes, donc ça, c'est bon. Peut-être déjà commencer à en faire plus là-haut. Nous irons au bois. Peut-être prévoir éventuellement un raccourci si jamais on en a besoin. Dispensaire. Études d'ingénieur. Préfet. Et des fermes, bien sûr. Beaucoup de fermes. On va déjà en rajouter 3, ce sera déjà pas trop mal. On pourrait en faire ici aussi, hein, techniquement. On va voir. Donc la grande question qu'on pourrait se poser, c'est que déjà avec bon tout ça, on peut avoir à peu près 6500 habitants. Faut voir combien on pourrait avoir d'habitants avec quelques évolutions. Bon déjà, si je veux vraiment faire un autre quartier là comme j'ai commencé à le faire tout à l'heure,
peut-être préparer un peu le terrain. Donc j'étais passé par là, notamment. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour le réservoir que ça va être un peu compliqué. Pas du tout ce que je veux faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est comme ça que je dois le faire. Bien. Il y a quelques pavés ici. Un peu au pif. Ça fait encore tout petit, hein. C'est à peu près... Ouais, c'est à peu près ce qu'on veut, ouais, je dirais. Est-ce que j'avais rajouté des théâtres déjà? Ouais, j'avais rajouté quelques théâtres. Ouais, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors ici, comment ça se passe? Ça a l'air d'aller pas trop mal. On va attendre encore un tout petit peu. Alors... Limite, on va en rajouter deux directement, comme ça, s'il y en a un qui s'effondre, j'attends qu'un deuxième le fasse aussi, et je reviens moins souvent. Trouvez un autre raccourci, débrouillez-vous. Il y en a marre. Donc limite, pour l'instant, je les isole un peu, ceux-là. Et comme ça, je les ai sous la main. Ah, les dieux sont indifférents, ok. Peut-être réimporter un tout petit peu de marbre, au cas où. Chômage, 6%. C'est ok. C'est pas énorme. Pour l'instant. Évidemment, ne pas oublier les impôts. Très important. Vous avez un forum ici, vous en avez un ici aussi. Ici, vous avez le Sénat, et ici, vous avez un forum aussi. Bien. Vous avez bien un forum, oui, quand même. C'est la moindre des choses. Est-ce qu'on a du marbre? Pas encore. Le marbre, normalement, on l'a avec les armes. Voilà, on a du marbre. Aucun oracle. J'ai envie de dire, peu importe. Peut-être près des forts, hein. C'est vrai que c'est pas terrible. Comme ça, eux, on leur donne directement un temple. Ici, c'est joli, je trouve. C'est pas mal. Hop, on les fait déjà un petit peu évoluer. Ouais, il est tout petit, ce quartier. J'aurais dû l'agrandir un peu. Je peux encore l'agrandir, hein, techniquement. Si je déplace quelques bâtiments. Parce que là, c'est vraiment pas énorme. C'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tandis que là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est pas si énorme que ça. Là, c'est le plus grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je l'agrandis de 3 cases? Ouais, je peux faire ça aussi, hein. On les remet juste après. Voilà. On se donne des chances d'avoir un petit peu plus de population pour atteindre l'objectif. Surtout si on veut faire évoluer les maisons plus tard.
Hop. Bon, c'est un peu paresseux de refaire le même modèle de quartier un peu partout, mais bon, vu qu'on est parti là-dessus, ça s'est fait un peu naturellement, en fait. Disons que la mission est assez compliquée, comme ça on va pas s'imposer de faire des modèles de quartier différents à chaque fois. Ah, les greniers, ça va. Sinon, le vrai coup de génie, ce serait d'en faire un là. En vérité, c'est pas si idiot que ça, mais on a dit qu'on voulait quand même des entrepôts avec du... de la poterie. Et je devrais plutôt le mettre de ce côté-là, d'ailleurs. Oula, attends. Non, on en a encore un. C'est bon. C'était le puits d'argile qui était en trop. C'est trop juste. Le grenier est trop loin, je pense. Pour ce quartier-là, je mettrais bien un deuxième marché, quand même. Quitte à le mettre un peu plus proche de l'autre quartier qui est là-bas. On va tenter. Si les quartiers... Je pense que pour les quartiers un peu plus éloignés, ça vaut peut-être le coup d'en mettre deux. Dans ce cas-là. On voit que pour les autres, ça passe. Et merci d'être passé, John Rocket. Bonne soirée à toi aussi. Alors, le réservoir... Ouais, je peux pas déplacer celui-là trop. Ouais, je peux pas le déplacer assez en tout cas. Donc si je déplace ce réservoir, enfin si je fais un autre réservoir ici, normalement on est bien. Ah, la fameuse requête de la poterie là. D'accord. On va même exporter à partir de 15, comme ça on aura directement les stocks. Peut-être un peu plus. Pour empêcher les marchés de trop vendre. Enfin, de trop acheter, justement, pardon. Donc là, voilà, on sauvegarde. Et c'est là, je crois, qu'on avait rechargé sans faire exprès. Là, c'est volontaire, mais on a sauvegardé avant, quoi. Parce que sinon, oui, j'aurais dans les deux cas, j'aurais quand même dû charger. Mais il faut d'abord charger avant de sauvegarder. L'inverse fonctionne, mais ça fait pas le même résultat. Évidemment. Bon, on a quand même pas mal progressé, mine de rien. On a quand même pas mal progressé, la prospérité est à 78. Donc on est pile à 78. On peut peut-être aller un petit peu plus haut si on essaie de faire évoluer un petit peu les maisons. Peut-être qu'on va essayer ça en toute fin de stream. Donc dans maximum 10 minutes, j'annonce, j'arrête le stream. Voilà. Ah mais on aura quasiment fait 2 heures en fait. Ah ouais, donc je pensais pas faire 2 heures carrément. Vu que j'étais encore un peu fatigué de mon expédition à Londres. Mais non, ça va, on avance bien. On a été un peu plus lent que la dernière fois, je pense. Ouais, je pense qu'on va rajouter quelques fermes. Encore. Là, les greniers commencent à être un peu éloignés. Je pourrais en mettre encore un parce que ces deux-là sont assez pleins. Ce qui en vérité ne serait pas bête, je pourrais en mettre carrément deux. Pour être tout à fait honnête. Oh! Ouais, mais j'aime pas parce que les maisons vont pas aimer. Ok, d'accord. En fait, on a juste des valeurs qui sont buggées. 252 mois pour répondre. 252, ça fait pas genre 20 ans? 21 ans, si je dis pas de bêtises. 120 mois, ça fait 10 ans. Ouais, 240, ça fait 20. Plus 12, 252. 21 ans pour... D'accord. Ok. Un peu bizarre, le monsieur, mais pourquoi pas. Dis donc, j'aurais besoin de beaucoup de poterie, mais c'est pas du tout urgent. T'as genre 21 ans pour le faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans l'Empire en 21 ans, mais c'est pas grave, prends ton temps.
Ouais, donc j'ai quand même envie de faire d'autres greniers ici. Je pense qu'on peut se le permettre, très largement. On va se faire attaquer. On va tenter. Alors ce grenier-là, si je le place comme ça... Ah, il faut qu'il passe par le centre du grenier. D'accord, la partie centrale du grenier. Ça commence à être un peu loin tout ça. Mais bon, ça, je pense que ça devrait aller. Et pour la poterie, on verra. Alors, attendez. Ah, non, ce marché-là, il va se servir là-dedans aussi. Je vais pas aimer ça. Sauf si je mets un marché juste là, à ce moment-là, il sera prioritaire. Non, de toute façon, il n'y a pas de route pour l'instant qui relie le grenier à la zone de stockage. Bon, après, il sera déjà sur place. Ouais. Ouais, ça se discute, ouais. Après, si je le mets là, peut-être que ce marché-là va pas se servir là-bas. Ouais, il va quand même servir là-bas. Y a-t-il une solution agréable? Déplacer ce marché-là par là, peut-être? Pourquoi pas? Alors du coup, ouais, le fait d'avoir mis deux marchés côte à côte, c'est un petit peu idiot maintenant qu'on a ce grenier-là. Bah écoutez, on va voir, on va tester un truc. On va quand même le mettre ici, celui-là. Mettre un marché là et un marché là. Pas spécialement convaincu pour l'instant, mais on va voir. Et vu qu'ils boivent pas encore, on peut quand même relier les deux quartiers. On tente des trucs dans cette mission là. On innove. Ok, ok, on commence à avoir des stocks un petit peu plus conséquents là. Et ce grenier-là se remplit gentiment. Très bien. Ouais, parce qu'en plus, ces greniers-là commencent à être pleins un petit peu en permanence. Donc on a beaucoup plus. On produit beaucoup plus qu'on ne peut stocker pour le moment. Donc c'est bien de faire d'autres greniers qui vont un petit peu décharger les premiers greniers. Bah ça fonctionne. Oh! Oh! Ah oui! Ah oui, là c'est l'abondance là! Pouah! Oh c'est parfait! Niveau nourriture, là c'est parfait pour les palais luxueux. Ah, oh, ils se gavent! Oh c'est bien! Pour l'instant, pas d'autres puits d'argile qu'on doit effondrer. Donc ça va. Pourquoi tu me dis pas que le grenier est parti, enfin que le gars est parti remplir le grenier? Normalement ils le disent quand... Non ? Ils le disent pas ? Et il revient. Il me précise pas que le charretier est parti chercher de la nourriture. D'accord. Ok. Oh bah on a déjà des stocks ici. Et des stocks assez conséquents. Ouais bah si je pense qu'on peut y aller hein. Le réservoir est pas assez proche. Je vais le mettre là plutôt. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est pas trop moche en plus. Juste derrière le grenier comme ça. Bon après il faut plus de nourriture pour les nourrir mais je pense qu'on a déjà prévu le coup. Très clairement. Quant à vous, est-ce qu'on a des stocks suffisants? 444, 620.
Eau polluée, pas grave, m'en fiche. En gros, ça fait baisser l'hygiène de la santé, je pense. La santé est très touchée, ouais. Mais on n'a pas de maladie qui se déclare après ça. Donc ça veut dire que globalement, ça a l'air d'aller. On n'a jamais eu trop de problèmes avec l'eau contaminée, en vérité. Ça n'a jamais déclenché d'épidémie. Je pense que le système de santé est pas trop difficile dans ce jeu-là. Parce que dans Augustus, je crois que c'est dans Augustus. Il me semble que c'est dans Augustus. En tout cas, dans une version modée du jeu. Justement, je crois que c'est dans Augustus, hein, d'ailleurs. Il y a un système de santé beaucoup plus complexe. Et c'est quand même moins facile d'avoir une santé parfaite. Tandis que dans ce jeu-là, on a l'impression que pour avoir une santé parfaite, c'est un critère, j'ai l'impression, pour toute la cité, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un peu curieux, quoi. Carte, est-ce qu'on a des risques de maladie? Hygiène. On a l'accès aux différents bâtiments, mais on n'a pas tellement de risques de maladie. On a la carte des problèmes, mais je pense pas que ça concerne ça. Donc c'est pour ça, ça me fait penser que... Enfin, cette histoire de système de santé retravaillé dans Augustus, ça me fait penser que le système de santé du jeu de base est assez clément avec le joueur. Bon, ça arrive de temps en temps d'avoir dans des missions quelques épidémies, mais si on pense à mettre des dispensaires un petit peu partout, c'est pas du tout un problème. C'est pas du tout un problème. Parce que normalement, l'hygiène, enfin en tout cas, la probabilité de tomber malade dépend de l'hygiène de la maison. Enfin, voilà. Du niveau d'hygiène de la maison, et c'est censé être affecté par l'accès à la nourriture, à l'eau potable, à des structures d'hygiène, bien sûr, comme les dispensaires, les thermes également. Mais voyez que juste en mettant un dispensaire à côté des maisons qui servent juste à fournir de la main-d'œuvre à d'autres bâtiments, bah on n'a pas de problème de maladie. Hein. Typiquement, là, ils ont juste accès à un dispensaire. Ils ont même pas accès à de l'eau, et ça se passe très bien. C'est pour ça, dans Pharaon, je crois que c'est un peu plus complexe. La malaria, par exemple, pose plus de problèmes. Comment ça, pas de nourriture? Me dites pas qu'il vous faut un deuxième marché. Ouais, parce qu'il y a pas mal de croisements aussi là-bas, oui. Rien, on va remettre un marché par ici. Du coup, je pense que ça vaut effectivement plus le coup de mettre un marché là, maintenant. Parce qu'il y a des stocks là, mais... Oui, mais en plus, eux, ils sont vachement éloignés. Et vu qu'on a mis pas mal de croisements, allez. Let's go. Parce que on a vu que ces greniers-là avaient du mal à se vider. Ces greniers-là sont vidés par ces greniers-là, et ces greniers-là sont vidés par les marchés aux alentours. Faisons plus de marchés. Bon, ce grenier-là est vide, mais c'est pas grave. Enfin, c'est grave quand l'un des deux marchés est vide aussi. On est déjà à ce niveau-là aussi, hein, quand même. Bon, il est 7h30, j'avais dit qu'à 7h30 maximum, j'arrêtais. Bon, je pense qu'on va quand même s'arrêter là. On est à 7000 de population, donc on est à 3000 de notre objectif. Reste à voir si faire évoluer certains quartiers va nous permettre d'atteindre les 10000. Ce serait pas mal, parce que je vous cache pas que... Bon, c'est déjà un peu compliqué de répartir correctement la nourriture. On risque d'avoir plus de problèmes. On pourrait se permettre de faire un autre quartier résidentiel, d'ailleurs. On peut faire plus de fermes pour... Ah, ils ont plus de place, là, en plus. On produit plus de nourriture que nécessaire, ici. Donc, on peut très facilement faire un autre quartier par là. Faire un grenier juste à côté qui va aller chercher de la nourriture dans l'un de ces deux greniers-là. Donc, on peut voilà, se donner un petit coup de pouce. Et pourtant, ça ne mange pas des masses ici. Il est où votre marché? Je le vois pas. Attends, il est caché. Il est là. Je cherchais un marché standard, il a évolué celui-là. C'est bizarre. C'est marrant, on n'a quasiment jamais eu de problème de stabilité ici, mais on en a quand même un petit peu. Ouais, donc bref, très facile quand même. Très facile d'avoir un autre quartier ici parce qu'on produit trop de nourriture, parce qu'on a des charrettes qui restent bloquées. Parfait. Donc ici, je pense qu'on va pas trop y toucher, sauf pour faire évoluer les maisons. Et je pense que niveau quantité de nourriture, on a à peu près ce qu'il faut.
Donc c'est normal que ce grenier soit quasiment tout le temps vide à cause de ces deux marchés-là. Idem pour celui-ci. J'espère qu'ils vont revenir assez vite. Ça m'inquiète. Dans le pire des cas, ils peuvent quand même se servir dans les 4 greniers qui sont là, hein, si jamais il y a besoin. Ouais, je pense qu'il y a largement assez. Maintenant, c'est bon, je pense qu'on aura toujours des stocks pour n'importe quel marché aux alentours. Quand on en a juste assez pour tous les marchés, il y a toujours un risque qu'un marché se serve deux fois avant que le deuxième ait le temps de se servir une fois. Mais là, je pense que ça a peu de chances d'arriver vu tous les stocks qu'on a. Je sais pas si j'ai été clair. Oh mince, une attaque de barbare. Bon, on fait ça vite fait. Et après, on s'arrête là. Est-ce qu'il y aura besoin de la cavalerie? Je suis pas sûr. Enfin, cavalerie, plus bas. On aura peut-être que 4... légions. Donc normalement, vous êtes censé être un petit peu... Voilà, vous êtes censé être... Ouais, on va peut-être ramener quelques régiments de cavalerie aussi. Hein. On va pas non plus traiter nos adversaires à la légère, nos ennemis. On va pas les prendre à la légère, pas plutôt. Cavalerie! À l'attaque! On recule la cavalerie. Petit balayage. On les a enfermés, c'était infernal. Salut Lumi, j'ai presque fini, désolé. Mais du coup, j'essaie d'avancer un petit peu pour dans 2 semaines, pour la sortie de Pharaon. La ressortie de Pharaon, enfin le remake en tout cas. Enfin tu le sais puisque c'est toi qui me l'as dit. On va peut-être d'abord leur donner l'ordre de rentrer. On a perdu... 5 et 3... 8. 8 soldats, ça fait un peu beaucoup. Bon, c'était une grosse attaque celle-là. Heureusement qu'on a ce qu'il faut pour se défendre. Pas grave, je suis en train de manger une pizza, j'ai de quoi m'occuper. Bah tant mieux alors. Je me sens moins mal. Mais bon, tu vois... Non, voilà, merci. Mais bon, tu vois, je suis en train de construire la ville que j'ai visitée lundi. On est à Londinium. Mais c'est marrant, ces maisons-là, je les ai pas vues quand j'y suis allé. On est peut-être pas passé à côté, je sais pas. Ce pont, là, il me dit rien. J'avoue que je reconnais pas la ville. En même temps, ouais, il y a un petit peu 2000 ans d'écart. Ça a eu le temps d'évoluer. Je pense que quelqu'un est passé derrière moi et a tout cassé. Magnifique bâtiment avec un S, oui, bien sûr. C'est pas si dur à faire que ça, les palais luxueux. Ce sont des maisons, hein, sache-le. C'est pas si dur que ça, mais il faut avoir de la place. C'est juste ça. Et là, du coup, j'ai pris un risque parce que d'habitude, je fais quasiment jamais ces quartiers hyper riches en ligne comme ça, mais ça passe quand même. C'est un peu compliqué, mais ça passe quand même. Généralement, j'aime bien les belles boucles. Mais c'est passé. En fait, c'est surtout pour les divertissements. Parce qu'on a tout ce qui produit des gens qui... Enfin, on a fait un petit peu un truc qui se croise. Ici, on a théâtre, Colisée, amphithéâtre, et tous les acteurs, gladiateurs et dompteurs sont entraînés là, donc ce qui fait qu'ils passent forcément par les maisons quand ils remontent. Donc, pour le divertissement, c'est cool, ça. Idem avec les fabriques de chars et l'hippodrome. Ouais, faut un petit peu d'organisation, mais sinon, ça va. D'ailleurs, je m'aperçois d'un truc... Il y a des trous. Bien. Et niveau décoration, c'est génial. Et bon, par contre, pour l'attrait du secteur, on prévoit la place pour les grandes statues et ça passe, quoi. Les grandes statues, c'est même mieux que les temples et les oracles, d'ailleurs. Parce que je vois Zach qui utilise plutôt les oracles, et j'ai vu dans le manuel que les grandes statues avaient beaucoup plus d'attrait positif que les oracles. En tout cas, ce sont les grandes statues qui font partie des objets qui ont un attrait positif au maximum. 4 petits plus.
Le jeu peut être de 97, il a bien vieilli. Je crois même qu'il est de 98. Ah non, c'est peut-être 97. Je crois que c'est 98. Oui, c'est 98, c'est ça. Ou alors. Attends. Bref, fin 90, quoi, on est d'accord. Justement, c'est ce que quelqu'un disait. Je crois que c'était John. Pour son époque, le jeu est incroyablement beau. C'est absolument génial. Ouais, c'était 98. 30 septembre 98. T'as dû voir Kaiser 4 aussi. Il n'avait pas le même charme que celui-ci. Comme quoi, parfois on fait des choses qui sont vieilles et qui n'ont pas besoin d'être refaites. Quoique, niveau mécanique, j'avoue que si... Bon, il y a déjà Augustus qui refait un petit peu en Kaiser 3 façon Pharaon niveau gameplay. Mais si jamais il y a un remake qui est fait de ce jeu-là, j'aimerais bien que ce jeu-là ait à peu près les mêmes mécaniques. En tout cas, qu'on puisse avoir les options d'avoir les mêmes mécaniques que dans Pharaon, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Quitte à rajouter des monuments comme... Les constructions de monuments comme l'a fait Augustus. Anyway, on va re-sauvegarder. Et YouTube, je vais te saluer. Bisous YouTube.